En quelques mots, ce que j'ai appris de l'initiative, c'est qu'on peut requérir, dans le fond, un financement et puis, dans le fond, pour aider les Autochtones. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est que moi, je suis Autochtone moi-même aussi dans une communauté à Wendake. Et puis, je trouve que c'est important aussi de pouvoir donner un rêve aux jeunes. Depuis des décennies, c'est vrai que Logique nous aide à faire en sorte que la culture des Premières Nations rayonne. Je souhaite également souligner le lancement de cette belle initiative comme a fait ma consoeur, Culture et langue autochtone. Une des choses que j'adore du programme, je dois le dire, c'est que maintenant, ça nous ouvre aussi à pouvoir créer des espaces de co-création entre les nations du Québec. On voit aussi que les gens sont intéressés à la culture et qui aux cultures autochtones et qui veulent en savoir plus et faire participer des Autochtones à ce projet-là. La langue est le véhicule d'une culture. La diversité et la richesse des cultures et des langues autochtones les rendent d'autant plus précieuses. Pour moi, c'est magique ce nouveau programme qui veut mettre en lumière aussi la diversité des cultures et permettre aussi de favoriser le rayonnement des langues. Et je pense que Logique arrive à un moment opportun pour dire à ces jeunes-là qui sont un petit peu partout dans les nations, dire déposer quelque chose, on va vous accompagner. Les jeunes du Notre-Dame, on est ici pour eux, on travaille pour la deuxième, la troisième, la septième génération, celle qui n'est pas née encore. Quand on travaille avec la jeunesse, on doit travailler avec les rêves. Si l'occasion se présenterait, j'en profiterais, je prendrais direct mes valises, je partirais direct en France faire mes projets et puis je passerais direct à l'attaque, là. Pour plus d'informations, inscris-toi à notre infolettre, à nos réseaux sociaux et visite notre site Internet.